Chers amis, on m'a demandé de m'exprimer à propos d'une réponse hilchatique qu'a donnée un grand Chacham ici de Jérusalem, Rav Eloi Barjel Shalita, autorisant de façon exceptionnelle, vu le confinement, d'utiliser le soir du Seder, l'application Zoom, pour réunir des membres de famille qui ne peuvent pas se réunir à cause du confinement. Est-ce que c'est autorisé? Il autorise. Évidemment, ça fait un grand tollé général, beaucoup de rabbins ont interdit. Et le vrai problème, c'est que sur les réseaux sociaux, ça fait un grand buzz, et il y a des bagarres, et les gens s'insultent, se traitent de tous les noms, et ça, c'est vraiment inadmissible. Je vais m'expliquer, avant de rentrer dans le sujet vif de ce psak halakha, de cette décision halakhatique, qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, quelles sont les conditions, etc., je vais parler de ce qui se passe sur Internet. Comprenez que lorsque deux rabbins ne sont pas d'accord, c'est pas des avis comme ça. Tout est Torah. On a une Gemara dans le traité Iruvin, page 13, qui raconte qu'il y avait un grand débat entre Beit Shammai et Beit Hillel. Et pour finir, une voix est sortie du ciel, elle a dit « Elu velu divrei Elokim Chaim ». Cela et cela, donc Beit Shammai et Beit Hillel, les deux sont paroles du Dieu vivant. Alors qu'ils disaient exactement le contraire. On ne sait pas qui avait raison. On va dire Beit Shammai disait A, et Beit Hillel disait pas B, disait moins A. Donc si c'est A qui a raison, c'est pas peut-être moins A. Et si c'est moins A qui a raison, c'est pas A qui a raison. Sort la voix du ciel qui dit non, les deux ont raison, les deux sont paroles du Dieu vivant. Comment comprendre une chose pareille? Moi, personnellement, ça m'a convaincu que notre Torah était divine, parce que dans aucune autre religion, on voit une chose aussi osée, aussi vraie. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est une chose, la vérité infinie de Dieu, l'absolu, c'est une chose qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'être humain, comprendre. Donc forcément, quand elle arrive sur Terre, elle éclate en plusieurs facettes. Je donne un exemple très souvent, suivant. Je vous montre maintenant ce livre, d'accord? On va dire, quelqu'un regarde ce livre depuis d'en face, comme vous, et un regarde depuis le côté là-bas. D'accord? Alors, celui qui est en face, comme vous, je lui demande, qu'est-ce qui est plus grand? La hauteur ou la largeur? Il me dit, c'est la hauteur qui est plus grande. Donc, celui qui regarde depuis là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ça, comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qui est plus grande? La hauteur ou la largeur? Il me dit, c'est la largeur qui est plus grande que la hauteur. Les deux peuvent jurer que ce qu'ils disent est vrai. Et pourtant, ils disent exactement le contraire. Qui a raison? La réponse, les deux ont raison. Simplement, toi, tu vois d'un point de vue, lui voit de son point de vue. Et les deux sont vrais. Quand la Torah, la volonté divine, vient sur Terre, forcément, elle éclate en plusieurs facettes. C'est marqué qu'il y a 70 facettes à la Torah. Pourquoi? Parce que on n'a pas le point de vue de Dieu qui voit tout à la fois. Chacun, il est fini. Il a son point de vue, sa source d'âme, ce qui n'est pas la même que l'autre. Donc, Beit Shammai, ils vont dire une chose, et c'est vrai. Beit Hillel va dire une autre chose qui est vraie, pourtant c'est le contraire. Mais oui, parce qu'on parle maintenant du même objet, dans ma vue à moi c'est juste, et dans la vue à lui c'est juste aussi. La voix du ciel a tranché, la halakha, hein. On va au niveau de l'action, comment on va faire? On fait comme Beit Hillel et pas comme Beit Shammai. Mais Beit Shammai c'est pas n'importe quoi. C'est aussi un avis qui est parti du monde de la Torah. D'ailleurs, quand ma chère reviendra, on l'espère encore dans quelques jours, avec l'aide de Dieu, Berachamim, avec beaucoup de miséricorde, alors la halakha va être tranchée comme Beit Shammai. Donc c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Simplement, actuellement, la halakha n'est pas ainsi, mais un jour, ça le sera. Ça fait partie de la Torah. Donc quand des rabbins ne sont pas d'accord, c'est pas des voyous qui sont en train de se jeter des tomates l'un sur l'autre. Il s'agit de gens respectables, des grands de Torah, qui donnent un avis, qui le prouvent. Et s'il voit que quelqu'un n'est pas d'accord, il va se donner tout son argumentaire, l'autre aussi. Et des fois, la halakha est tranchée, des fois elle n'est pas tranchée. Mais ce n'est pas parce que deux rabbins ne sont pas d'accord qu'il faut commencer à faire la guerre. Dans le Talmud, tu as 2700 pages, tu n'as jamais une page où tu n'as pas deux rabbins qui ne sont pas d'accord. C'est que ça. On n'a jamais vu qu'un a insulté son prochain, ou a parlé de grossièreté ou méchamment. Alors comment nous, on va aller maintenant sur les réseaux sociaux, on se permet de dire des choses moches, insultantes, méchantes, dans Am Israël? On sait bien qu'on est parti en exil, pourquoi? À cause des bagarres internes qu'il y avait, des disputes. Maintenant, on a quelques jours de Mashiach, on va remettre encore ça sur le tapis. Allez, on repousse la Géoula pour encore 2-3 mois, 2-3 ans, 2-3 dizaines d'années. Adieu nos peuples, on n'est pas fichu de respecter l'autre. Il n'est pas d'accord. Ok, tu dis, écoute, j'entends ton argument, voici mon argument. Chacun est fait d'après son rabbin, terminé. Mais on peut ne pas être d'accord, mais avec respect. Et ça, c'est mon appel le plus important de ce cours-là, que les gens arrêtent. Arrêtent une fois pour toutes de se bagarrer pour des bêtises. C'est pas des bêtises, c'est une question importante. Mais relativement à la bagarre qu'il y a sur Internet et cette décision halakhatique, qu'on fasse comme ci ou comme ça par rapport à la raison halakhatique, c'est pas un dix millième d'importance par rapport à l'importance d'arrêter
d'arrêter de se haïr et de s'insulter et de se parler sans respect. Dieu veut le shalom avant tout, avant tout. À l'époque de la tour de Babel, alors Dieu a fait en sorte de disperser tous les participants à cette tour de Babel. Et au déluge, quelques années auparavant, il a englouti toute l'humanité sous les eaux. Rachid explique pourquoi dans un cas il a fait que les disperser et dans l'autre cas il a englouti. Il dit, à l'époque de la tour de Babel, ils étaient unis. Ils sont tous unis pour aller se battre contre Dieu. Alors se battre contre Dieu c'est très grave, mais au moins ils étaient unis. Il y avait le shalom. À l'époque du Maboul, du déluge, ils ne sont pas battus contre Dieu, mais ils se haïssaient, ils se volaient les uns les autres, etc. Comme ça, Dieu les a tous engloutis. Voyez à quel point c'est important le shalom. Alors pour une question aussi, je ne vais pas dire stupide, mais aussi insignifiante, relativement, elle est importante, mais relativement au shalom, c'est tellement petit, et sur ça, maintenant, tu amènes la bagarre. Maintenant, à cette époque, nos frères sont en train de mourir à cause de coronavirus, et des gens se bagarrent encore sur Internet. Non, mais ils n'ont rien compris, ça fait mal au cœur. Arrêtez. Du shalom, du respect, c'est ce que Dieu veut, en premier. Bon, après que je me sois un peu excité en vous disant tout cela, parce que je pense que c'est vrai, il faut faire attention à cela, parlons maintenant du Psak Din, de cette halakha. Le Rav lui-même explique un peu quels sont les points dangereux dans cette loi. Le point dangereux, d'abord, c'est Uvdin Bechol. C'est une action pas shabbatique. On ne fait pas ça à Yom Tov, utiliser un écran, etc. On ne fait pas ça jamais. Mais il dit, compte tenu de l'urgence, que le Seder, c'est quand même un des points importants de l'année. Il dit, très souvent, des jeunes vont voir leur grand-père faire le Seder, ça veut les rapprocher de la Torah, donc un cas de rapprochement de Torah. Ou le contraire, les grands-parents sont en situation d'angoisse et de tristesse, et si, ou bien ils ne savent même pas faire le seder, une grand-mère, etc. Et s'il n'y a pas de seder, elle va rentrer encore plus en angoisse, plus en tristesse, et peut même à cause de ça tomber plus malade, son système immunitaire peut être touché par cela. Et on sait que les gens vieux sont un groupe beaucoup plus sensible au coronavirus que les gens plus jeunes. Donc, dans le cas d'urgence, de façon exceptionnelle, juste cette année où il y a le confinement. J'espère que jusqu'à là, il n'y aura plus le confinement, il n'y aura même plus la question. Mais en cas où, à Dieu ne plaît, ça continue jusqu'au soir du Seder. Donc, il est autorisé de façon exceptionnelle pour les gens concernés. Pas maintenant, il y a mon frère qui est là-bas, puis c'est un peu, c'est dommage qu'on ne fasse pas ce Seder, on le fait moi et ma femme tout seul, et on a nos enfants là-bas. Ça, c'est des bêtises. Il n'a jamais autorisé pour cela. Il est autorisé que dans les cas extrêmes, comme j'ai dit, pour rapprocher les gens qui sont loin de Torah, pour les cas, pour pas que les gens rentrent en angoisse et en déprime parce que c'est dangereux pour le coronavirus, et c'est tout. C'est tout. Pas parce que c'est plus sympa d'être en famille. Jamais de la vie. Deuxièmement, le deuxième problème, il a dit, c'est qu'il y a un risque que les gens vont utiliser l'électricité. Tout à coup, le truc s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, des gens vont dire, bon, ben, le rabbi l'a autorisé, surtout que c'est vrai, il y a un psak halakha des rabbins du Maroc il y a quelques dizaines d'années qui disait qu'à Yom Tov, on peut allumer la lumière. Aujourd'hui, plus personne ne fait cela. C'est 1 sur 100 000 qui font ça. D'accord? On peut dire que c'est halakha aujourd'hui, carrément, n'est plus actuel. Et le rabbin n'a pas autorisé d'allumer pendant Yom Tov. En aucun cas, bien que les Marocains ils se basent sur l'halakha des rabbins marocains de cette époque-là, en aucun cas il a autorisé d'allumer ou d'éteindre pendant Yom Tov. Et là déjà, il y a un premier piège. J'ai vu un article, avant que je voie le Psak Din du Rav, on m'a envoyé un article, et là-bas il est écrit que le Rav autorisait d'allumer l'application Zoom avant le Seder. Qu'est-ce que vous comprenez-vous avant le Seder? On rentre de la synagogue, on dit « Chag Sameach », bon, ça s'appelle le Seder, tac, on allume. Voilà, déjà dans l'article, ils sont plantés. Jamais le Rav, il a autorisé une chose pareille. Il a autorisé avant Yom Tov, il fait encore plein jour, t'as pas encore allumé les bougies de Yom Tov, t'allumes, et quand tu reviens à la synagogue 2-3 heures plus tard, c'est allumé pour le soir du Seder. Tu touches pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu touches pas jusqu'à 3 jours. Parce que vous avez mercredi soir, je parle en Israël, c'est pour 24 heures. Mais à l'étranger, vous avez les 2 jours de Yom Tov, plus Shabbat, 3 jours. 72 heures. Non-stop, on peut pas toucher. Et il y a un risque que les gens aillent toucher. Pourquoi il y a un risque? D'abord, sachez, ceux qui vont utiliser cela, dans les cas où je veux dire, où c'est peut-être possible, et encore, d'accord, c'est que Zoom, la version qui est gratuite, elle dure 40 minutes. Après 40 minutes, ça s'éteint. Bing, terminé. Maintenant, celui qui veut plus, il faut payer. Maintenant, les gens sont pas au courant. Ou ils veulent pas payer. Donc, après 40 minutes, tac, tout à coup, c'est arrêté. Ou bien même, il a allumé ça, parce qu'il a compris au moins ce que j'ai dit, la première chose qu'il faut allumer avant Yom Tov et éteindre après Shabbat. Après 3 jours, donc lui allumé avant de partir à la synagogue, il revient, c'est déjà éteint, les 40 minutes sont déjà passées. Et il dit, t'as payé? Non, j'ai pas payé. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, c'est pas grave.
avec le coude on va allumer comme ça. Interdit. En aucun cas, jamais le revoir autour d'une chose pareille. T'as pas payé pour avoir plus de 40 minutes, c'est mort. Et en aucun cas, tu peux utiliser cette application pendant Yom Tov. En aucun cas. Donc, première chose allumée avant Yom Tov. Deuxièmement, s'inscrire et payer. Il faut payer. Je ne sais pas si c'est l'émetteur qui paye et aussi le récepteur ou que l'émetteur. Il faut se renseigner, il faut voir. Il faut payer son abonnement. S'il n'y a pas d'abonnement, ça ne marchera pas. Troisièmement, le Rav n'a jamais autorisé que cette application fonctionne Shabbat. Que à Yom Tov. Et lui, parlait pour Israël. Donc, il sait que ça va durer 24 heures. Après 24 heures, on éteint. C'est fini. Donc, mais, jeudi soir, c'est ça, jeudi soir, on éteint. Par contre, à l'étranger, ils peuvent éteindre que samedi soir. Or, lui a interdit que ce soit allumé pendant Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit vous mettez votre ordinateur sur une minuterie, et puis, après le soir du 7h, on va dire à 1h du matin, 2h du matin, ça s'éteint, tac, plus d'électricité sur l'ordinateur, ou vous mettez un programme sur l'ordinateur qui met votre ordinateur en veille à 1h, 2h du matin, quand vous avez fini de faire le 7h. Sinon, il va rester allumé jusqu'à Shabbat, et le Rav interdit pendant Shabbat. En aucun cas. Donc, trois points qu'il faut faire attention. Premier, allumé avant. Deuxième, payer l'abonnement pour pas que ça s'éteigne après 40 minutes et les gens soient tentés d'aller rallumer ça pendant Yom Tov. Trois, mettre un système qui va faire que l'ordinateur va s'arrêter après le CDR, soit avec une minuterie, directement à la prise, soit avec un programme de mise en veille sur l'ordinateur. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut autoriser cette halakha, est-ce que nous sommes pour cette autorisation du Rav Abergel, oui ou non? Moi, je suis un tout petit par rapport à des grands géants. Ce que je peux dire, c'est comme ça. La grande, immense majorité des rabbins actuels sont pas d'accord avec ce psak din du Rav Abergel. Donc, si on vient poser la question, je dirais non. Mais, si quelqu'un veut quand même compter sur le Rav, on ne peut pas le blâmer parce qu'il a un avis sur lequel compter. Le Rav n'est pas un petit, c'est pas un petit enfant, c'est un Talmid Chacham sérieux. Et bien que l'immense majorité, je veux dire, c'est un rapport de 1 à 500 au moins, d'accord, 499 qui interdisent, et lui qui autorise. Donc c'est très très dur d'autoriser, et si on pose la question, je dirais non, il ne faut pas le faire. Que dans les cas extrêmes, vraiment extrêmes, je répète encore, extrêmes, si on peut vraiment pas faire autrement, et ça va être terrible si on fait pas comme ça, je dis pas que c'est autorisé, je dis que celui qui veut compter sur l'avis du Rav, il a un avis sur lequel compter, on peut pas le blâmer. Mais prends bien faire attention à tout ce que j'ai dit. Tous ces points-là, en aucun, si on a fait en sorte que ça marche pas pendant Yom Tov, on peut plus rien faire à Yom Tov. Rien de rien. Fini. Donc, j'espère que Bezat Hashem, d'abord, qu'il y aura le shalom sur les ressources à propos de ce psak din, c'est terminé, si on discute. Et dans tous les cas, c'est fini. Il faut qu'il y ait du kavod entre nous, du respect, premier point. Deuxièmement, allumer avant Yom Tov et éteindre, et ne pas l'éteindre pendant Yom Tov. Trois, payer le service de Zoom, parce que sinon ça va s'arrêter après 40 minutes. Et enfin, quatrièmement, faire en sorte que l'ordinateur soit mis en veille après le CEDER, ou s'éteindre par une minuterie après le CEDER. Ainsi, j'espère que Baruch Hashem, on n'aura pas besoin de cela, il y aura la paix entre nous, Dieu verra cela, Amen Amashiach Berachamim, avec une grande miséricorde, et dira halt à toute la souffrance actuelle qu'il y a dans le monde, Amen ve Amen. Chag, Kasher, Vesameach.